déjà écrit Balnes. C'est à tous, c'est Tsukoizé et Wanda Fori. Donc avant qu'on commence la vidéo, je vais présenter un artiste que j'aime beaucoup. Je vais vous en parler. Voilà. Sur quand vous sortir. On est là, gros. On est là. L'art des ombres officiels. Du coup, c'est quoi ta blague? Vas-y, comment dire des quatre langues chinois? Ok, merci. Alors, ouais, c'est pas la personne que vous voulez introduire, c'est plutôt. Alors voilà, c'est ce qu'on va présenter. Vous l'avez déjà vu. Donc c'est James Z Music. Du coup, on va parler un peu de ses sneakers. James Z de James Z. Oui, arrobas James Z Music, c'est vrai. Ok. Et best sneakers, hein, du coup. Hein. Et oui, c'est pas fait. Les matières, du coup. Dis-moi un petit peu ce que les matières. Alors, bison allemand, comme je te disais juste derrière. Là, c'est on part sur du ivoirien en fémur. De singe, non? De singe ou de. Oui, c'est la. Wow. C'est la. La petite touche en fait de ces sneakers que j'ai pris en Turquie, ça ouais. Valait un beau billet 10€ quand même. Ah bah ça va quand même, voilà. Le prix, ça va. Et les lacets, ben comme on peut le voir, c'est en ivoire, là le blanc, là. Voilà. Carrément. Et voilà, je trouvais ça sympa de les mettre pour une vidéo spéciale sneakers. Ça tombe bien en tout cas. Mmh. En tout cas, allez checker son nouveau clip en tout cas. Et allez le follow, c'est important. Alors du coup le clip que je vais vous présenter cette fois-ci, ça va être des images très gênantes. Je pense qu'ils ont déjà vu des charmantes. Et bah en fait j'aime bien faire des délires comme ça, un petit peu décalés. Et donc voilà, ben, si vous voulez le voir, ça s'appelle Charming, de toute façon vous avez tous les liens. Et aussi si vous voulez me soutenir, il y aura un petit lien, si vous pouvez cliquer une fois par jour, je suis grave à la ramasse. Et si je suis plus à la ramasse, ben, je gagnerai plein de choses, des accompagnements et tout. Donc voilà, ce serait hyper cool de votre part et bon bisous. Salut, comment tu vas frérot? Ça va. Nougou, aujourd'hui on est un peu la brigade anti-fake. Mm-hmm. On aimerait savoir si c'est des vrais ou des fausses. C'est des vrais. Modèle, prix, acheté où? Dis-nous tout. Ben France, dans le Marais là. Ouais. Acheté 229€. Bah du coup, Bay France. Hein. Est-ce que tu as le ticket de caisse? Non mais j'avais le ticket là, il est parti là. Parti? Ouais. On va appeler l'expert. Flo, viens ici. Du coup, il m'a dit qu'il a acheté du coup à Babe, c'est bien ça? Bah ouais. 229. 229, c'est le prix de toute façon chez Babe. C'est le prix hein. Bah écoute gros, j'ai les chaussettes aussi alors. Je connais. Je peux que valider. Donc c'est des gonnets. C'est que du vrai, c'est du Babe. Que du vrai, que du vrai, c'est du gonnet. Ah donc ça. Bonne cam japonaise. Cam japonaise. Ah, c'est validé par l'expert, c'est validé. Validé, ok. C'est validé. Donc c'est bon. T'es un mec vrai. On bat du fait. On aimerait savoir du coup le prix, le modèle et où tu l'as acheté. Celle-là là, ouais. C'est les Yeezy V2 Blue Tint, ouais. 550 balles au Meetup Paris, dans le deuxième. Deuxième, ok. Expert Flo Le Fleur, l'expert. Vas-y, Le Fleur, du coup. On a du coup aussi expert, du coup il a acheté à 550. 550 Blue Tint. Tu m'as dit où déjà? Blue Tint V2, Meetup Paris, Paris 2. Meetup Paris, validé. Validé sûr? Juste pour préciser. Vous savez pourquoi on remarque une Yeezy, c'est vrai? C'est là en fait, c'est spécial ici. Du coup, à partir du moment où on voit que là c'est bien correctement aligné ici, là, vous savez là, bah c'est des vrais. Ah, c'est comme généralement, ça? Généralement, elles sont mal faites les trucs. Genre, elle est fausse derrière. C'est un truc spécial, genre vraiment. D'accord, ok. Donc toi, c'est validé, t'es un mec vrai. Tu peux faire attention, s'il te plaît, ça fait mal. J'ai mal au cœur pour elle. Ah, on fait pas attention. C'est une chaussure, on kiffe. Hein. Ah, on kiffe. Hein. Où tu l'as acheté? À combien le lieu, toi, donc? À Size, à 200€. 200€? Ouais, ils ont mis en solde ici. En solde à 200€? Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Est-ce que tu as le ticket de caisse? Non, bah, je sais pas, je sais pas. L'expert, Flo Le Fleur. Ouais. Ils achetaient du quoi? 200€ juste à côté là. Déjà 200€ c'est pas le prix. Non mais si, c'est un size. Size c'est pas le prix. Oh, c'est 300 balles. Hein. Non mais size, je te dis, il a 16 gros. Size, je cope chez eux les Yeezy. Je suis sûr et certain. Bah ouais, genre, mais on peut y aller, mais en tout cas, ils sont à 300. Les Wave Runner, ils sont sortis à 300. T'avais un code promo. Tu vas, on y va? C'est à 300 gros le prix. C'est un gros expert, c'est un expert. Mais gros, genre, on peut y aller, mais par contre, on les vend à 300€. Bah ouais, ça fout, tu t'es trompé sur le prix. Bah non, je suis sûr. C'est 300 balles. Je te jure, regarde, t'as le ticket de caisse ou pas de la 300? Bon, on va montrer le ticket, voilà. L'expert là, il est. Là, c'est le débat là. Ça, c'est un peu le débat là. Hein. Non, c'est juste que genre, pour ça, c'est 300€. Après, je dis pas, au niveau des couleurs, ça a l'air d'aller. Je les ai achetés à Starco en retail. Retail, du coup. Ah ouais, 300€, oui. Et Starco non, size, c'est les mêmes. Je sais en temps normal que c'est à 300€. Moi, je les ai pris à size à 200€. Mais c'est impossible, c'est pas de promo sur Easy. Tu vas aller, mais oui, c'est aussi grave. On y va éviter, on demande ou bien? On demande, c'est bon. On peut y aller, hein? C'est là, c'est là. Ça va, c'est ça. Du coup, on va aller voir, c'est parti. Entre l'expert et tout ça, on va voir ça. Vas-y, filme là, filme c'est maintenant, non? Ouais, mais juste, c'est genre qu'on filme pas en fait. Ok, vas-y.
Salut chef. Vous avez vendu des fiers de size à 200 euros. Des easy ouais. À 200 euros. Ouais. Merci. Ah Flo, ils les font vraiment à 200 euros hein. Ils ont vendu à 200 euros, ils ont vendu. C'est des vrais ou des fausses? C'est des vrais. Parce qu'on a marre des fausses nous. Non, t'as pas. Alors ce sont des vrais, alors dis-nous où tu l'as acheté et le prix. En fait, je les ai pas achetés, c'est ma sœur qui me les a offerts. Du coup, je sais pas le prix exact, mais comment ce sont des vrais. Mais comment tu es sûr que ce sont des vrais? Comment tu es sûr? C'est ma sœur, je sais très bien, une fois elle l'a acheté, On va appeler du coup l'expert. L'expert en luxe maintenant. Vas-y. Du coup, est-ce que tu penses que ce sont des vrais? Moi, je pense que ce sont des vrais. Parce que rien que par rapport à la couture au niveau de l'abeille, etc., genre, ça se voit que ça a été cousu, etc. Ouais. C'est pas le derrière, pareil, le Gucci, il est écrit normalement, genre, il n'y a pas de. Genre, c'est pas espacé, etc. Après, ouais. Le seul problème, c'est que. Est-ce que t'as la boîte ou t'as rien non, du tout? Non, j'ai pas de la boîte. Ils étaient achetés à Dubaï, pas ici. Dubaï, ça va, non? Je pense. Ouais, bah, Dubaï, ouais, bah, oui. Après, elle habite là-bas. Du elle habite là-bas. Ouais. Alors, en vrai, pour moi, je pense que ce sont des vrais parce qu'elles sont super bien. C'est bon. Elles sont hyper. Enfin, c'est designé correctement. Après, c'est sûr, s'il n'y a pas la boîte, je peux pas avoir de certitude. T'as le nom du modèle ou pas? Le nom du modèle, c'est quoi? Mais ce sont des Gucci classiques, ça. C'est genre, c'est le modèle. C'est les baskets de base. Ouais. Avec l'abeille, il y a celle avec le tigre ou sinon celle avec le serpent. Ok, et normalement c'est 500 ou 550. Ok, ça normalement, sur le site, c'est ça, sur le site Gucci, c'est 500. D'accord. Ou 550. Ça fait 3 ans qu'elle l'a acheté en fait. 3 ans qu'elle l'a acheté. Ouais, du coup, là. Moi je les voulais déjà il y a 3 ans. Pareil pour les 500, c'est 300. Ensuite, je les ai pris ici. Donc c'est le bon prix parce ou pas? Parce que je cope toujours. Non, parce que je cope toujours chez Size. T'as vu? Ah, lui c'est l'expert. Hein. En fait, c'est quoi le débat? Est-ce qu'il y a eu celle-là? Ouais, c'est des vrais ou fausses? Parce qu'il y a eu du quoi? 200 euros? Je sais pas si c'est des vrais ou des fausses, mais je suis chez les appels. Pas ici. Pas ici. Le chef, il nous dit ici. Il nous dit ça, il nous dit ici. Mais attends, il y en a un autre vendeur. Il a eu à 200 euros. C'est possible ou pas? 200 euros? On est d'accord, c'est 300 euros. Ouais, c'est le 350. Je veux dire, attends, c'est le 350 que j'ai pris là. Que j'ai coupé par deux. C'est 350, c'est 220. 220, ouais. Après, les 700, on les a jamais eu. Parce que lui, c'est vraiment, tu vois, l'expert, il connaît tout, tu vois. Et bah non, il copie ici, tu vois. Donc. Mais les 700, je sais, c'est 300. Bah, on n'a jamais eu de 700 ici. Bah oui, justement. Vous avez eu 350, vous. Voilà. Mais ah, vous avez jamais 500. 700. Ça, c'est les 500. C'est les 500. Ouais. Et celle-là, on n'a pas ici. Mais les 700, de toute façon, on n'a pas ici. En moi, je copie les 350. Ah. Une galère, alors. On n'a jamais eu de 700. Ouais. C'est que 300. Je suis pas fou. Peut-être que genre. Il vous restait une paire ou. Non, tu dois confondre avec un shop. Mais nous, on a vendu les 300. Ouais, vas-y. Ah, je attends, j'ai juste peut-être que c'est un autre magasin en vrai, peut-être. Hein, peut-être. Hein. T'as dû te tromper, ouais. Bah, je pense, hein. Non, non, je suis pas fou. T'es rendu sûr que c'était ici? Avec un petit de j'ai pris les trucs. Ça l'a sûr et certain, celle-là. Ça l'a sûr et certain, les gars. C'est compliqué parce que lui, il est sûr qu'il a acheté là. C'est sûr et certain. Ouais. J'ai beaucoup de peur du Yeezy, je sais plus c'est laquelle exactement, mais je suis sûr que ça là, c'est sûr que ça peut être déplacé. On a déjà eu les 500, les 500, on les a déjà eu? Les 700, genre les T5. Les 500, elles sont déjà elles sont sorties ici? Ouais, de toute façon, les webrunners ils sont sortis deux fois et la première fois c'était limité. Celle-là, il y a moyen. Laquelle? La 500. 500, elle est sortie. Celle-là, non. Les 700. Celle-là, on les a jamais. Webrunners, elles sont sorties vraiment dans très peu de shops. Il y a eu deux shops. Je pense que c'était un autre magasin, je crois. C'est un autre magasin, mais de toute façon, je suis sûr que je les ai pris ici. Ok. Du coup, que experts sont des fausses alors. Bah ouais, genre déjà au niveau des couleurs, genre c'était un peu chelou. Le fait que ça soit acheté chez Size et alors qu'ils ont jamais eu de 700, ouais. Et le fait qu'ils disent que ouais c'était 200 alors que non c'est 300 euros le prix de base. Ouais. Voilà. C'est du mytho quoi. Ouais, surtout sur les webrunners quoi. C'est celle qui a encore le plus de cotes à ce jour-là. Alors, Dis-nous du coup le modèle, le prix où tu l'as acheté. Ah, Vapor Max, hein, 100 euros, Snipes, il y a une semaine. Une semaine? Ouais, Flight Knit 2, carré. Du coup, on va demander du coup à l'expert. Hein. L'expert du coup, 100 euros au Snipes. Vapor Max? Ouais, 100 euros. Ça coûte pas 100 euros. En solde? En solde? En solde? Ça coûte 180, je crois, Vapor Max. 180, ouais, 210. Et combien en solde dessus? 100. C'est bon, 50%? Ouais, c'est ça, ouais. 200. Ouais, ouais, ouais. C'est possible, mais là c'est Snipes. Non, ouais, non, moi c'est à 220, donc si c'est 100 euros. Donc c'est bon. Ouais. Et sinon, ça va, niveau couture, tout ça, tout ça va, c'est. Mais elle est encore propre, c'est, hein, c'est pas des paires hypebeast non plus comme, comme celle-là. Ça, ça aurait été Vapor Max Off-White, là ça aurait été chaud. Ok. Là c'est une Vapor Max, mais elle est belle. Donc toi c'est vrai, t'es ouais, validé. Vrai. Hein. Ça va. Okay. Donc, prix acheté où et combien? Alors j'allais acheter sur Amazon à 28 euros. Donc ce sont des vrais ou des fausses? C'est des fausses. Des fausses, au moins des cassus. Oui, c'est des fausses. Expert, expert, du coup. Il y a marqué Balnay Saguenay. Ouais, j'ai écrit Balnay Saguenay. Donc là, il n'y a pas photo. Là c'est des fakes. Ouais, c'est des fakes.
il y a plein de trucs à dire là. Ouais, ça dépend. Moi, c'est parce que moi, tu assumes, c'est bien, tu assumes. Oui, j'assume. C'est bien. Oui, j'assume. J'assume. Et du coup, quand tu vas acheter des vrais, c'est quand tu vas acheter des vrais? Je sais pas du tout parce que ça coûte vraiment cher et. Faut dire à ton copain de te. Pardon, c'est pas mon copain. Ah, ok. C'est mon cousin. C'est mon cousin. Désolé. C'est mon cousin, mais okay. Non, je pense pas que je vais acheter le. C'est cher, vrai. Hein, ouais. Oui, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Mais donc je garde les fausses et ça marche, hein. Ça marche aussi donc aussi, ouais. Ça va. Ok, merci à toi, hein. Oui, merci. Merci beaucoup, hein. Du coup, merci d'avoir visionné la vidéo. Attends, merde. Merci d'avoir visionné la vidéo, mettez des pouces bleus bien sûr et allez vous abonner au Instagram des partenaires là. Arrobas Flo Le Fleur avec le tiret, tu connais. Tu connais. Arrobas Satan tiret du bas is tiret du bas on. Toi du coup Geoffrey JO2F3Y et un tiret du bas. Del tiret du bas corps. Voilà, donc allez vous abonner à leur Instagram, donnez leur la force et parfait. Merci beaucoup.